Jolie photo de famille ou pic discret. Le 17 mai 2019, Nathalie Baye publiait depuis son compte Instagram une tendre photo de vacances de son ancien compagnon, Johnny Hallyday. Il y pose aux côtés de sa maman Huguette et de sa fille, Laura Smet. Johnny entre sa maman et sa fille en Creuse. De jolies vacances, a simplement écrit l'actrice de 70 ans. En publiant cette photo, Nathalie Baye essaierait-elle de faire croire que si est-elle qui a réconcilié Johnny avec sa mère, Huguette? Pendant de longues années, le taulier et sa maman ont eu de tumultueuses relations. Abandonné 15 jours après sa naissance par son père, Léon Smet, Johnny Hallyday n'a pas non plus pu compter sur sa mère Huguette Claire, mannequin de profession, qui a très rapidement repris son activité après l'accouchement. Lorsqu'il était enfant, c'est Hélène, la sœur de Léon, qui s'est occupée de lui. Dans son entretien accordé au Point le 12 avril 2019, Laetitia Hallyday avait pourtant remis les choses au clair, si est-il elle qui l'a aidé à surmonter ses démons et si est-il surtout elle qui l'a réconcilié avec sa mère, Huguette. Nous avons commencé cette conversation par l'abandon de son père, mais dans l'âme cabossée de mon homme il y avait aussi l'abandon de sa mère. J'ai voulu rencontrer sa maman avant notre mariage. Je lui disais, je ne peux pas me marier avec un homme sans connaître sa mère. Il me répondait, tu sais, mes rapports avec ma mère, si est-il compliqué. Je n'arrive pas à l'appeler maman, elle m'a abandonné. Laura et David ne la connaissaient pas non plus, ils l'avaient vue une fois dans leur vie. Je rencontre sa mère et je tombe amoureuse d'elle, expliquait Laetitia Hallyday à nos confrères. J'ai essayé de persuader mon homme d'accepter la demande de pardon de sa mère. J'ai insisté pour qu'elle vienne habiter chez nous. Surtout qu'elle était handicapée. Il a fini par dire oui. Un jour, il a fini par l'appeler maman. Je m'en souviens très bien, se rappelait la mère de Jade et Joy. Deux versions différentes.